Et bonjour, allô, allô, 1, 2, 1, 2, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la CEDU TV, je suis beaucoup trop excité, j'ai beaucoup trop de hype en moi, je vais avoir cassé des oreilles à des gens, enfin, si à des gens, ouais, peut-être là, c'est tant mieux. Et tant mieux, ouais, bon, on va éviter là de faire passer la musique de fond en boucle. Faire passer ça en boucle. Et donc je suis tout content. Hein. Je vais l'avoir mardi. Je l'ai aujourd'hui. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie de ouf. Toc toc toc. Alors pendant que ça passe en fond. Voilà. Charger le tout. Donc Persona 5, sans doute mon gotaille de l'année. Ouais, 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 je le sens déjà que ça va être mon Game of the Years. Ah, graphiquement, c'est beaucoup trop cool. Alors là, pour l'instant, il y a ma grosse tête et tout. C'est chiant. On se dit, mais casse-toi. Casse-toi, tu pues. Hein, donc je finis. Je vérifie juste un truc que la publi a bien été lancée. Hop, hop. Hop, je vais partager dans mon... Je cherche juste une vieille touche. Voilà, hop. Et voilà, je suis tout à toi, cher jeu, au grand jeu que j'aime. Donc, on va passer, première chose... Oh, ça bouge, c'est trop hype. À config tout de suite, avant de lancer tout ça. Vibration, c'est oui. Oui. Auto-advance, c'est non. Quoi, display subtitles, oui, mettez des subtitles. Cursor memory, ouais, ouais. Enfin, je sais pas, ça, ça va. Camera shake, c'est oui. Screen brightness. Pas vu de choix du. De choix de langue. Alors, je sais pas si ça va être tout de suite ou pas. J'ai enlevé ma grosse bouche. Je vais me réduire en bas. Eh, faut que je monte quand même, hein. Et j'ai drop un petit chat. Bonjour, tu vas bien être mon ami? Dans ma collector, c'est trop cool. Quoi d'autre? La petite boîte qui va bien. Hein. Le steelbook qui fait le taf. Franchement, il est super beau. J'ai kiffé. Et d'autres goodies que j'ai pas encore regardé, mais que je regarderai après avoir joué au jeu. Je pense. Donc, je vais réduire ma grosse tête là. Hein. Hop. On va se déplacer en bas de l'écran, que vous puissiez voir ce qui se passe un peu mieux. Et on va partir sur a new game. Let's start. Alors le jeu est en anglais. Je vais faire l'effort de traduire à max, hein, quand même. Et comme ça, je vais juste allumer la lumière. Question de... This story is a work of fiction. Cette histoire est une fiction. Hein? Les similarités entre les caractères et des personnes vivantes ou mortes dans votre monde sont purement coïncidentales, donc sont une pure coïncidence. Seuls ceux qui ont accepté les droits cités avant ont le privilège de jouer à ce jeu et de pouvoir se faire place dessus. Ah ouais, ils sont sérieux, genre tu dois agree ou not agree. Parce que s'il y a des situations de drama, des dramas qui pourraient se retrouver dans notre quotidien dans le jeu. Et donc c'est pour ça. Alors, I agree, I do not. Bon, j'ai pas envie de jouer en fait, on va disagree. C'est parti. The contract has been sealed. Je peux pas mettre les mots en japonais s'il vous plaît.
Le monde n'est pas comme il devrait être. Il est rempli de distorsions. Et la ruine ne peut pas être évitée. Ceux qui s'opposent à cette, à ce changement et qui désirent le changement, ils sont appelés les tricksters. Ok, d'accord. Tu es un trickster. Tu dois te lever contre la bise de la distorsion. Ça se fait très... très shonen comme... comme truc. Alors c'est parti, on va arrêter. Je vais peut-être pas tout le temps tout traduire. Je laisserai assez longtemps pour que vous puissiez lire les textes quand même. Allez, la petite phase animée. Je sais pas pourquoi je garde mon casque, j'en ai pas besoin. Concrètement, j'ai personne en vocal, et puis moi ça me nique le son du jeu. Oh, casino. Péter les beats. Cette musique groovy. Ça met la hype. Alors si je check mon boule, c'est normal. Ça me fait trop checker mon boule, ce musique de Persona. Donc la petite intro qui va bien. Ouvre le main protagoniste. Donc un petit style Arsène Lupin. Tout ce qui va bien. Vous le voyez tous en haut, le pire voleur du monde. Ne commence pas comme ça, on va pas s'entendre. Alors, le petit chargement qui va bien. Et on est en jeu, c'est parti. Allez, cours. C'est notre seule chance. Reste calme, tu peux t'en aller maintenant. Ouais, on va ramener la cagette. La manette, hein. Roger position. Ne t'inquiète pas pour nous. Concentre-toi sur ton aller. Donc, alors, c'est parti. On dirait graphiquement, bon. Et pas le truc le plus complètement. Mais l'association de couleurs et tout fait que ça passe bien. Et même si on n'est pas sur le jeu le plus ouf. Moi, je trouve que c'est beau. C'est beau. J'en perds ma voix. Quelle plateforme? PC? C'est non, c'est PS4, c'est une exclu PS4. Et oui! Allez hop, le petit saut, c'est parti. J'aime trop ce bouton action. Bah bon, il est plus. C'est où? Rendez-moi un bouton action. Regarde. Il est trop stylé. Ouais, j'adore le design qu'il a. Et donc c'est en mode. On se balade, ok. Ah, on sprint, je crois, non? There he is! Il est là-bas! Chopez-le! Ouais, moi du coup, je dois me casser, c'est ça? Ah non, je vais où? Je vais vers eux? Ah non, je vais aller là-bas. Allez hop! Les animations sont pas trop mal, pas dégueu! Stop right there! Mais oui, mais c'était des monstres! Mais bien sûr! Avec des matraques! Ah, c'est Joker! I am Joker! Be prepared! Là, on va petite séquence avant de passer en combat. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a au choix? Alors là, va falloir... Ah, oh, c'est trop stylé, sérieux. On est sur le menu, donc flèche du haut, on passe au gun avec un petit mouvement stylé. On a sur les items... Classique, hein, se soigner, restaurer CSP et revive. On peut garde, on peut attaque, on va attaque. Hein. Allez, c'est stylé, j'aime beaucoup. Ces monstres avec des matraques servent bien les fesses. Heureusement, je ne m'appelle pas Théo. Allez, voilà, la blague de mauvais goût est faite comme ça, Elstar. Hein. Persona. Wouah, c'est trop cool, il sort dans ton dos comme ça. On le voit de dos, c'est trop stylé. Bref, Blade. Alors, on peut voir une des particularités
de comment, de ce qui est Shin Megami Tensei et autres, hein. On paye pas juste ses sorts en SP, en mana. On peut les payer, tout ce qui est sort physique, on les paye en HP. Donc là, ça me coûte 106 HP, mes HP sont en bas à droite. D'ailleurs, je pense que je gêne un peu. Est-ce que je gêne un peu l'interface, en fait? Mais pas tant que ça, je suis pas si mal placé. Je vais me décaler vite fait. Hop! Bim! C'est bien, comme ça. Ça, le fait grave. Oui, donc je disais, ça peut coûter des HP. Bah, je vais faire ça, on va voir, hein. Mes HP vont diminuer. Je peux cibler. Hop! La persona! Allez, meurs! Take your time! Look around you. Donc on a fini là, c'est ça? Oui, bien joué, tu les as défoncés facilement. Je pense que t'es bien placé. Ouais, ouais, je pense que je suis pas mal. Il y en a plus, fais attention. Voilà, oh là, manga interactif plus. Defeat victory. Joker, derrière toi. Passe donc cette porte. Je passe cette porte immédiatement. Oh, cet écran de transition trop cool. Sérieux. Ouais, tu devrais être capable de te casser par ce chemin. Dépêche-toi. Est-ce qu'il peut au moins nous entendre? Ne t'en fais pas, je m'occupe de la voix de Jagan. Vas-y, Joker. On fait une petite traînée au sol, hein. Comme ça, un peu... On peut sprinter, hein. J'ai pas vu. Action. Waouh, on passe cette porte. Allez, en faisant gaffe. We got away from a bunch of those guys in black face. J'ai même pas eu le temps de lire, gars, sérieux. Ouais, on va continuer par là. Hein. Ah bah. Où sont-ils? Damn it! Je ne peux pas confirmer la position de l'intrus! Cool ta vie, allez hop, on passe. Eh hey, stop! Qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais! Cache-toi, Joker! Wow, il s'est un peu déplacé vite, là. Tu ne t'en sortiras jamais si tu dois continuer à combattre. Cache-toi dans l'ombre et sneak past when you see an opening. Et donc, passe furtivement quand tu vois une ouverture. Action. Hide. Ah, je peux... D'accord, il y a le petit symbole là-bas. Si j'appuie... Oh, allez, petite dépistulée. Hop! Et tu es sûr qu'il ne vient pas, qu'il va venir par ce chemin? Ok, je vais continuer de chercher. Ok. Ah non, c'était l'agent qui parlait, je trouvais ça bizarre. Maintenant c'est ta chance, cours dans les escaliers. Je cours dans les escaliers. Check là. Caché, personne ne nous voit, c'est bon. Il n'est pas seul. Trouvez-les, tuez-les tous, rien que ça. Je suis vu. Je crois. Quelque chose ne va pas? La sortie ne devrait pas être loin. Ouais, en gros, il est en train de dire que c'est la merde en bas, tout ça. Donc là... Ils vont me tirer dessus. I am the Joker, I don't care. Ah non, on fait le petit passage par le côté qui va bien. Ah, il dit des trucs. Il est pas muet. Allez, le crâneur, là. La petite roulette brichute. Au calme. Et... C'est non. C'est la police. C'est l'embuscade. Joker, peux-tu t'en sortir face à tous les CRS de la ville? Ah, bien entendu. Je suis gymnaste et cambrioleur. Ou pas! C'est le coup de crosse dans les genoux. Et voilà.
Je ne pensais pas trouver un jeune garçon. You have your teammate to thank for this. You... Tu as été vendu par tes teammates. C'est confirmé, oui, bah c'est bon, j'ai un masque sur la tête, hein. Allez, en tôle. C'est bon, ça. On joue un vrai délinquant. Doringue. Alors ça, c'est pas très cool. La drogue devait être trop forte. Réveillez-le. Fais au mieux pour les trades, hein. No dozing off. Ouais, ne retombe pas dans les pommes, je crois, un truc comme ça. You still don't get it, do you? Tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas? Abandonne! Coup de pied dans le ventre! Come on, coopère ou t'en veux encore un? You want another shot? Quoi? Oh, la caméra, tout ça! Je crois vraiment que... Je crois vraiment que les flics, ils sont... Of course not! What do you mean? Tu n'as pas encore compris? Il n'y a pas de loi ici qui protège des criminels comme toi! Obstruction à la justice, blackmail, diffamation, possession d'armes... Tueur d'hommes, n'est-ce pas? Parle! Ça, c'est... Comment, en gros, il a beaucoup de charges, quoi. Un bon boss. Tu sembles avoir kiffé faire tout ça, n'est-ce pas? It was doing it. Oui, il pense. C'est pensé. Je vais enlever ce casque-là. Ah! Everything, tout me paraît brumeux. Ouais, Az, brumeux, ouais, il est un peu dans le flou, quoi, dans les vapes. Je ne peux pas me souvenir. Ah, et donc là, on choisit The difficulty for those who wish to enter the story. C'est no. Easy, casual expérience. On va pas se lancer en hard, mais on va jouer. Ça affecte le story? Non. Ce choix n'a dans tous les cas, ok. Non, mais on va jouer en normal, on n'est pas comme ça. Do you wish to begin the game in the normal, with the normal difficulty? Yes. Tu devrais connaître ta place. Oh, le libère, on est comme ça. Alors on va lui péter les genoux encore. Signez ici. C'est une confession en ton nom, sous ton nom. On peut faire le muet tout le temps. Je crois que j'avais une option pour être muet aussi tout à l'heure. Faudrait faire le jeu full muet. Mais bon, on va. I understand. Don't expect to walk out of here in one. N'espère pas sortir d'ici en un seul morceau. On va te faire comprendre que quelqu'un doit prendre toutes, que les gens doivent prendre toute leur responsabilité pour leurs actions. Ça déconne zéro, hein. Ça déconne zéro. Ah, et du coup, on met notre nom. On met notre nom. Il a pas un nom officiel, moi j'aime pas nommer les persos. Sérieux? Bah, j'ai pas regardé ça. Ça n'est pas les gens. Hein, je crois qu'on a du viewer quand même. Ça n'est pas les gens. S'il a un nom officiel, le perso de Persona 5. Bon. Parce que bon, après Yunaru Kami de Persona 4. Comment elle s'appelait? Minato, il me semble, dans Persona 3. Et j'ai plus les noms. Va falloir que je trouve un truc. J'ai pas envie de l'appeler sadique, j'ai envie qu'il ait un vrai nom, il a une tête d'asiate, on lui donne un prénom d'asiatique. Trouvez-moi un prénom d'asiatique, sinon. Ah, salut Ligue! Dans la vidéo de présentation de 17 minutes, je crois qu'il avait un nom officiel. Ah ouais?
Bon, on va faire au feeling. S'il y a des idées dans le chat, sinon je vais réfléchir vite fait. Mekui Oburodoro. C'est le nom officiel ou tu me chies un truc comme ça? En vrai. Hein? Pour dans la vraie vie véritable, Elstar. Moi je te suis là, je te suis aveuglément, mais est-ce que c'est vrai? C'est de la merde, j'en étais sûr! T'es agro. Attends, Mekui. Je suis sûr qu'il y a un vieux jeu de mots de merde, attends. Mekui Oburodoro. C'est un jeu de mots de merde ou pas? Ouais, bon, allez, on va pas passer. Tiens, je valide ce super nom, il va s'appeler Mekui. Mekui, c'est clair! Voilà, il va s'appeler comme ça. Move curseur, L2R2. Non, je veux aller sur le nom de famille. Mekui! Hey! C'est clair! Hop! C'est confirmé! De quoi? Ah! That's my name! Mais oui, c'est clair! Let me rewrite! Attends, ça veut dire quoi? Mes couilles au bord de l'eau! Mais t'es sérieux, gros? Mais tu crois vraiment que je vais prononcer ça correctement? Mes couilles. Ah! Putain, je viens de comprendre! Mes couilles au bord de l'eau! Mes couilles au bord de l'eau! C'est ça? Trou du cul, va! Après, ça fait plus japonais, j'avoue, c'est un peu plus typique comme ça. Allez, hop. Oburu. C'est bon, personne comprendra à part les gens qui ont assisté à ce live. Ça rentre pas! Mekui Oburudo. Eh ben, c'est comme ça, il s'appellera comme ça, voilà, hop, c'est parti, j'en ai marre. C'est trop tard! C'est signé! Il aura un nom nul pour le restant de ses jours à cause de toi. Excusez-moi, mais cet area est off votre juridiction. Ou la madame dans une tenue de business. Je suis Nijima de la Public Prosecutor Office. La prosecutor, bureau du procureur, je pense, en fait. Hein? Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Qu'est-ce que vous avez à faire là? Laisse-moi passer, c'est urgent. Il y a quelque chose que je dois confirmer avec ce suspect. Nijima-san, je suppose que ce n'est pas sous votre juridiction. De plus, êtes-vous le procureur Sai Nijima? Il y a un appel pour vous du directeur. Dépêchez-vous et allez le prendre. Ah ouais, il y a un appel pour vous? Le nom mis à l'arrache, ça me frustre tellement, moi. Bon, je suis pas attaché au nom, j'aurais préféré un nom officiel, mais bon, c'est pas grave. On notera juste que, on dit, il y a un coup de fil pour vous. Pour moi, ça veut dire, il est au bureau, là-bas, le coup de fil. Il est pas, genre, sur votre téléphone dans 2 secondes. Je suis responsable de cette affaire. Vous ne m'avez pas permis de... Je ne suis même pas autorisé à procéder à un interrogatoire. J'appelle parce que je savais que vous alliez vous montrer ou un truc du genre. Ouais, je ne serai pas convaincu à moins que je ne le confirme moi-même. C'est mon affaire. Eh ben, bonne chance à vous. J'en attendrai pas énormément. Hey, procureur, j'ai oublié de parler d'un truc important. Ouais, vous avez pas beaucoup de temps, en gros, on peut pas vous laisser avec lui trop longtemps. C'est pour vous protéger, entre guillemets, être bien. Ses méthodes ne sont pas connues. Nous ne savons même pas si c'est safe de simplement le rencontrer et de discuter. Well. Ah non. Je ne pensais pas que ça serait toi. Donc on se connaît, ça veut dire? Tu vas répondre à mes questions cette fois. C'est Sae, et c'est le pseudo de Sae du coup. Je connais un Brian qui va trouver ça cool. Ces bâtards! Qu'est-ce qu'il y a une seringue?
Je me demande bien qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. Si tu peux m'entendre, il semblerait que tu aies passé à travers beaucoup de choses. Bah, ouais, dans ma tête, j'ai traduit ça dans une manière vachement plus dégueu. À peu près tout ce qui est possible peut arriver ici, et je ne peux pas les arrêter. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me répondes honnêtement, je n'ai pas beaucoup de temps en plus. Quel est ton objectif? Quel était ton objectif? Pourquoi tu as causé un tel incident? Je ne pensais pas que c'était une prank, une farce. Et je ne peux même pas comprendre la méthode derrière. Oh, ce petit truc dramatique qui pop sur la droite. Of course you couldn't. What do you want to know? What do you want to know? Ce n'est pas une question de si ça peut être utilisé ou pas à la cour. J'ai besoin de savoir. C'est mon affaire, après tout. Comme que tu sois cohérent. Quand et où as-tu entendu parler de ce monde? Comment est-ce même possible de voler le cœur de quelqu'un? Attention, l'intrigue se lance. C'est trop bien. Dis-moi tout sur ce que je veux savoir, en partant du début. Il va parler. Ah ouais, on parle, ok. Ok, oncle. Donc on roll back. On roll back dans le passé ou quoi? Oh, c'est le Velvet Room Time. Tu es retenu captif. Un prisonnier de la fate, destin. D'un futur qui a été scellé en avance. C'est vraiment un jeu pas cool. Et tes chances de gagner sont presque nulles. Si ma voix t'atteint, c'est qu'il y a peut-être une possibilité. Je supplie. Reviens dans ce jeu et sauve le monde. Rien que ça. Hein? La clé de la victoire repose dans la mémoire de tes liens. Le lien qu'il y a entre toi et tes amis. Tout a commencé ce jour, quand ce jeu a commencé il y a... Comment? Une demi-année de cela. Non, Alfeuer, si, il y a une demi-année. Pour la sake du world, du futur du monde, donc pour le bien du futur de ce monde, tu dois te souvenir. System, would you like to save your current progress? Yes, of course. Ce petit bleu qui casse bien les deux oeils. C'est stylé. Save complete. Hop, on est bien. Level 1. C'est le rollback? C'est quoi? Là, on est... Ok. NP. La vraie question, c'est... Est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il se souvient? Où est-ce qu'on a rollback? Première question, jeune gens. Je crois que ça veut dire s'il vous plaît, aidez-moi. Et la patate de forain? Non? Ah non. Allez, sous, je vais te poursuivre. Ah, je suis déjà... Ah ouais, en fait, un vrai délinquant, quoi. Ok, il a déjà été en tôle. Donc on est à Tokyo, hein, a priori. Ça change du cadre des anciens Persona où on était dans des villes annexes. Là, c'est le Tokyo qui va bien. Pour ça que j'ai pas fini Tokyo Mirage Session. Pas bien. Start. Allez, genre, le mec il se balade dans la rue puis il reçoit une appli comme ça et il appuie sur... Il y a un anime comme ça, non? Où le mec reçoit une application particulière. Max et le World où t'as une appli spéciale qui te permet de faire ça. Genre de freeze le temps. Non, si je crois que c'est Axel World.
petite idée. Un boss, c'est quoi? Un monstre. Ah ouais. C'est le méchant moi qu'on vient d'apercevoir. Les shadows hein, qui sont apparus à Persona 4, hein. On n'oubliera pas. Ils sont un peu... Non, si c'est pas Devil Survivor. Ah, il y a grave moyen, sachant que c'est du Shin Megami, ouais, je serais pas étonné que ça ait pris les... Alors nous voilà en tant qu'étudiant lambda. Hints, petit indice, si tu es confus sur ce que tu dois faire, ou aller après, il y a des applications sur smartphone. Il me semble aussi, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Ouais, voilà, donc on est à Young Jaiba, on va pas ride the train, on va examiner le poster. It's a poster! Wow! Amazing! Le sprint? Non. On va aller dans tout le back street. Oh, ils sont trop cool ces écrans de transition, sérieux. Je trouve ça sympa. Et puis le mec il zone, tu vois, il reste pas tout pareil, là il a sorti son tel. Starting today, Sojiro Sakura will be taken. Donc à partir d'aujourd'hui, Sojiro Sakura va se charger de s'occuper de moi. Sa maison... Ah mais c'est un mec, ok, ouais, j'ai pas fait les rapprochements. J'ai sa maison et dans l'arrière-cour d'une zone résidentielle. Tutoriel, parlez aux gens, appuyez sur croix, merci. Ouais, je vous traduis pas hein, quand c'est pas... Yes. I want to ask for direction. Alors, ok. Ok. C'est une allée un petit peu plus loin... Va à droite après cet appartement avec les escaliers. Et mais moi je suis un so curious, hein. Examiner. Je pense pas que cette adresse est par là. Ok, un petit peu. Un peu bloqué. Donc là on voit qu'il y a plein de supérettes là sur la minimap à droite. Les escaliers c'est là. Toi bonjour. Hey, listen. Y a-t-il eu un autre accident? J'ai vu un policeman over there. Et je suis sûr qu'il regardait juste si tout le monde allait bien. Et... Je pense que c'est par là. Mmh. Arrière-coup, ça. Sojiro Sakura, c'est là. C'est trouvé. Après, même après avoir sonné, il semble que personne ne réponde. Yuri, personne n'est là. J'aime pas les delivery men. Les delivery men, faut pas oublier que le delivery man dans Persona 4, c'est un petit connard qui balançait des gens à travers une télé. Enfin, vite fait, pour ceux qui ont suivi l'histoire. Mais c'est une des pistes qu'on a. Ouais, le blanc... Et dans la cour arrière. Je vais peut-être aller lui délivrer le paquet en premier. Ben, hey, listen. D'accord. Par demi. Bon, est-ce que t'as d'autres choses à dire? Ouais, il y a une résidence. Une zone résidentielle plus loin, je devrais faire demi-tour et trouver le café Cold Le Blanc. Ok, donc faut que j'aille au café. Ça c'est une supérette, c'est pas ça. C'est un cinéma. Là-bas, il y a une icône de café, étrangement. Je pense que ça doit être ce café. Café Le Blanc. J'y vais. Donc on débarque tranquille. Mon dieu, un bus c'est pas roule sur la voie opposée. Oh.
Ah, je vais pas vous traduire. Alors, je gêne. Est-ce que je gêne les bulles de dialogue? Oh, pas. Je crois que je suis à peu près correctement placé pour pas trop gêner. Vertical is name of a shellfish used for. Ah, lui, ça va être un mec avec qui je vais avoir du bond, parce qu'il a droit à une tête. They did say that was today. On a dit que c'était aujourd'hui. Je vais y aller maintenant. La thune est sur la table. Merci d'être venu. Ouais, cette place est dans une arrière-cour, donc aucun risque que vous preniez un bus dans votre façade. Bah, il y a eu plein d'accidents de ce genre, voilà, ce n'est pas mon problème. Très bien, on se voit la prochaine fois. Les phrases sont trop longues, il y a un ou deux mots qu'on voit pas. Bah alors attends. On va arranger the problem. Alors l'idée, ça va être peut-être réfléchir à l'interface de combat. Ouais, je pense que là ça ira. Là, je suis juste sur la un petit peu décalé à droite. Ça devrait le faire. Hop, quoi, 4 heures et juste une petite coupe de jus. Ouais. So, you're the guy. Salut, t'es mes couilles, mes couilles. Please, take care. Cette vieille phrase. Isakura-san here. On notera mon bel accent rusco-anglo. Hein, russe-anglais. Sakura-san here. Please, take care of me, voyons. Entendu. J'ai deviné que tu étais Sakura. Je suis Sojiro Sakura. Tu vas être mon custody pendant l'année prochaine. Attendez, quel type de gosse allait se montrer? Et pas aller, hein? Un comment? Un client à moi et tes parents se connaissent et voilà. Not that Peter, on s'en branle en fait, voilà, suis-moi. Ah, c'est ta chambre. Je vis dans le café en fait. Ok. Ok. J'avais traduit sheets au moment du truc par un i, mais ok. Il semble que tu voudrais me. Tu as l'air de vouloir me dire quelque chose. It's clutter ou it's big? It's big. C'est à toi de nettoyer tout le reste. Démerde-toi. Voilà. Je quitterai et je fermerai chaque jour. Tu seras seul la nuit. Mais ne fais rien de stupide. Je te balance dehors si tu fous le bordel. Maintenant. J'ai eu un petit bilan de ta situation. Tu as protégé une femme d'un homme qui était en train de la violer. Qui allait, tentative de viol, monsieur. Il a été blessé et t'a poursuivi, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est ce que tu as eu pour avoir mis ton nez dans les affaires entre deux adultes. Tu l'as blessé, n'est-ce pas? Maintenant, tu as un criminel record, tu as un casier, et tu as été expulsé de ton école. La cour a ordonné ton transfert, et tu étais bougé. Ici, et tes parents ont approuvé, of course. Et donc, ils t'ont balancé dehors parce que tu étais un... A pain in the ass! Tu étais une pointe dans leur cul, non? Voilà, tu parles pas de ce qui n'est pas nécessaire et je suis dans un business de restaurant, ok? If nothing happens, your probation. If nothing happened, you. Ouais, donc si tu fais pas de conneries. Tu fais pas de conneries, tu seras sans doute réinséré. Le mec, il sauve les miches! C'est des FDP, le mec, il sauve des miches d'une meuf et se prend tout dans le cul. Ah ouais, mais tu vois, parce qu'il n'y avait pas eu acte. Présomption d'innocence, il n'y a aucune preuve que le mec était en train de vouloir le mettre, il lui avait pas mis encore, tu comprends? Justice, justice. En revanche, lui saigner. C'est bon, il l'a pas tué en plus de ce qu'on a vu. Non, il l'a pas tué. Probation, probation. Really now? It's the word that applies to your sentence lasts until next. Ok, jusqu'à l'été prochain. Donc tu vas être là pendant un an. D'accord, tu causes des problèmes et t'es envoyé direct à Juvie. Je sais pas c'est quoi Juvie, mais. Oustrom. Bah ouais, c'est carrément la base. Tu vas aller à Shujin tomorrow. Shujin, ça doit être l'école.
Salut Broconnard. J'espère que tu vas bien. Ça sent le coup foireux. Non mais c'est toujours des coups foireux. L'école à laquelle tu vas aller, je vais t'introduire aux autres propos... au staff. Ah, au staff, d'accord. Voilà, quelle perte de temps pour mon dimanche. Je vais vivre ici à partir d'aujourd'hui. Je devrais voir, regarder, qu'est-ce qu'il y a de beau ici. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. Il y a la plus grosse ambiance. Alors, un cluttered work desk. C'est un bureau avec des livres. Bah nettoie-le. Jouerions-nous un poltron? Un bed. Que c'est supposé être mon lit. Encore plein de livres. On passe les détails en... Une messy tables. C'est une table couverte de poussière. Voilà, je peux dessiner des trucs avec... avec mon doigt dessus. Le storage. Ah, ça c'est ce qui vient de ta maison. Je peux te changer. Oh, attention, les vêtements. Check elsewhere ou start cleaning. Non, on va start cleaner nous... Si tu nettoies au rythme là, t'es pas dans la merde, mon gars. Range the box. Et ça bien, mais doucement, il y a le temps. On dirait Elstar niveau énergie. Allez, il est tard. J'ai nettoyé pendant un moment, ça suffit. J'ai entendu que tu foutais du bordel. Qu'est-ce que c'est le délire? Je pensais pas que t'étais en train de nettoyer VTG. Dommage. Tu vas me déplacer? Non. Eh, actuellement, cet endroit n'a pas l'air si mal comme ça. C'est un peu normal que tu veuilles une chambre propre. Eh, pourquoi tu vas pas te coucher? T'as rien à faire, je vais fermer lentement. Là, je le chope pour aujourd'hui en attendant. Et si tu restes debout, je serai pas trop longtemps, je serai pas le mec qui viendra te chercher. Hein. Sleeping in your bed, we'll move forward of one day, oui. Et oui, faut pas oublier qu'il y a une notion de temps quand même dans Persona. C'est-à-dire que bah, vous pouvez aller vous coucher quand vous voulez pour faire avancer d'une journée. Mais il y a des événements clés en fait qui se déclenchent à certaines dates précises. Donc si vous zonez trop et que vous foutez rien et vous pexez pas et machin, et ben le temps il arrive, vous arrivez à un endroit, vous êtes obligé d'essayer de passer le truc et vous vous retrouvez bloqué parce que vous avez pas fait le taf. Bon, on va au lit. Allez, change and go to sleep. Est-ce qu'on le voit en pyjama? Ouais. Criminal record. I'll sue you! Et selon la météo aussi. Je sais pas si la météo a un facteur important dans celui-ci. Je vais éternuer, je le sens. Ça arrive. On the way. J'ai mute pour pas vous péter les oreilles. Mais en effet, reconnaissant dans Persona 4, les jours de pluie d'affilée, ça signifiait que ça puait du cul pour la personne que t'avais à sauver et qu'elle allait sans doute mourir si tu prenais pas tes dispositions. Maintenant, je pense pas que le schéma s'applique pour Persona 5. En tout cas, on va voir. Quoi, c'est... Ah, il se souvient. Ah là là, les mains dans les poches et tout. Dans la voiture. Stop it, Rob! Pas ça? Non. J'ai pu entendre un homme et une femme qui s'engueulaient à distance. Elle s'est mise à courir! Et c'est beau! Et c'est là! C'est là que tout est arrivé! Donne pas cette merde! On a l'impression que c'est un homme bourré qui est en train d'emmerder une demoiselle! Stop it! Elle est en danger! Je ne peux pas ignorer cela. Je dois la sauver. Je ne peux pas ignorer cela.
Elle perd de temps. Crois que t'es, ça te sert de me poser des soucis? Je vais appeler la police. Appelle-les si tu veux. La police? La police, c'est mes putes. Le mec, il est comme ça. Ils vont jamais te prendre au sérieux. Ça veut dire que c'est un haut fonctionnaire. Quoi qu'il en soit, il y a une icône qui a l'air d'indiquer les nuages. Enfin, sur l'écran précédent. Ouais, en haut à... En haut par là, enfin, attends. Non, en haut là-bas, là, ouais, tout là-bas, ouais, il y avait un truc pour la météo. Donc, je pense que il y aura forcément de la pluie des certains jours, des choses comme ça. Stop it! Là, quelqu'un a appelé la police, hein? Monte dans la voiture! Incompétents fools, les gens comme toi, ont juste besoin de fermer leur bouche et de suivre où je leur dis d'aller. Enfin, un truc du genre. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ce n'est pas un spectacle. Casse-toi, kid. Petit gars. Toi, c'est parce que tu es tellement lente. Monte dans la voiture. Oui, donc en haut, là on voit, là, il y a des petits nuages qui tournent pas, tournicota. Le téléphone sonne. C'est cette étrange application qui s'est montrée sur mon téléphone. L'icône ressemble à un œil. Je pensais la supprimer ou... It's so creepy. Allez, mes yeux deviennent lourds. Paupières sont... Tu sens le... Oh, c'est le réveil en fracas. Et où sommes-nous? C'est la Velvet Room, je pense. Ah oui, d'accord. Je crois que le thème de l'emprisonnement, ça va être un des thèmes majeurs. Je sais pas pourquoi. Hein. Comme ça, quelque chose qui me dit. Hein, sur, ça fait quoi? Ça fait une heure qu'on joue. Une heure de jeu, c'est trois fois en prison déjà. Trois. Des jumelles. Le fille de Velvet. Ah oui, même les pieds. Un petit bouquet. Non, on a pas la musique de la Velvet Room. Non. C'est Igor! Trickster, welcome to my Velvet Room. Je veux la voix japonaise qui fait Yokozo! Dans ta réalité, tu es endormi et tu es seulement en train de subir un rêve. Tu es en présence du maître. Place existe entre rêve et réalité, mind, physique et esprit. C'est une room où seuls peuvent aller ceux qui ont signé un contrat. Je suis Igor, le maître de cet endroit, souvent. Je t'ai invoqué pour parler de choses importantes qui, en plus, impliquent ta vie. Let me out. Ou Important Matters. Still, this is a surprise. Quoi qu'il en soit, ça reste une surprise. Cette room reflète ton cœur, ce qu'il y a au fond. Tu es vraiment un prisonnier de la foi, puisque en plus ça ressemble à une jail, donc à une cellule. Dans un futur proche, il n'y a pas d'erreur que la ruine t'attend. Je parle de la fin de toute chose. Mais il y a un moyen de t'opposer à cela. Un moyen de te réhabiliter.
de réhabiliter ta liberté. C'est le seul moyen pour toi d'éviter la ruine. Es-tu prêt à affronter la distorsion de ce monde ? Permets-moi d'observer le chemin de ta réhabilitation. Pardonne-moi, je n'ai pas introduit les autres. À ta droite, et c'est Caroline. À ta gauche, Justine. Salut Neo Mocha ! Bienvenue. Le gros des Wardens est de protéger les prisonniers, entre guillemets. Donc si tu restes obéissant, ben, c'est cool pour toi. Ah, donc il expliquera le rôle de ces deux-là à une autre occasion. Et l'heure. Je te libère, retourne donc à ton sommeil. We will meet again, eventually. Nous nous reverrons. Hop, retourne dormir. Petit artwork stylé et on change de jour, on passe au dimanche. J'ai eu un rêve étrange. Win, réhabilitation. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Hey. Il semblerait que tu sois debout. Ouah, ce costume de BG. Le petit chapeau fait le taf. Laisse-moi t'introduire proprement au staff. Donc, l'école à laquelle tu vas aller est dans le district d'Aoyama. Donc, ça te prendra un petit peu un temps, train. Voilà. Je te conduis là-bas, mais juste pour aujourd'hui. On est parti. Morning, voilà, parce que faut savoir que dans une journée, il y a le early morning, quand vous vous levez en général. Morning, où vous avez en général vos premières leçons. Le daytime, je sais plus si c'est vraiment le midi. Et après, vous avez afternoon, early. Je crois qu'il y a début de soirée et soirée aussi. Je sais plus. Don't get me wrong. Je m'en fous de ce qui... Ne crois pas que tu me préoccupes en quoi que ce soit et que je m'intéresse à toi. Ne me pose juste pas de problème. Donc nous allons à l'école un dimanche. C'est ça. Waouh. Il a une grosse tête. Grosse tête. Voyons clair, je t'expulse direct si tu poses des problèmes. Franchement, j'ai hésité à accepter quelqu'un comme toi, mais bon, il y a certaines circonstances de ton côté. Tu as peut-être fait de nombreuses choses que tu caches dans ton ancienne ville, mais ici, attention. Si tu es viré de cette école, il n'y aura plus aucun endroit où tu pourras aller. N'oublie pas cela. Ceci est le professeur en charge de ta classe. I'm Sadayo Kawakami. Ok, you know. Ok. Donc, la professeure qui doit avoir aussi des. Here's your student ID. Ça, c'est ton student ID. Hop, on récupère. Be sure to read the school rules. Lis les règles de l'école, des violations, tout ça. C'est direct au cachot, t'as compris. Prison, t'aimes ça, il paraît. I won't be able to protect you at all. Si par chance tu causes des problèmes, je ne serai pas capable de te protéger pour pas le moins du monde. C'est votre promesse, n'est-ce pas, à ce propos, principal Kaguya Bakaiwa? Oui, il est responsable de toutes ses actions. Vraiment, pourquoi? Pourquoi moi? Il devait y avoir de meilleurs candidats. C'est un étudiant transféré, ta classe est la seule où il reste des places. Vous avez fini d'expliquer des trucs, ça vous dérange pas qu'on y aille? J'ai une boutique à faire tourner, moi. Sakura-san, please keep ouais. A close eye. Gardez un œil sur lui, Sakura-san. Don't let him cause any ne laissez pas outside. Poser de problème. Well, I'll be sure to have a serious. N'inquiétez pas, je m'assurerai d'avoir une conversation sérieuse avec lui sur la situation quand nous serons rentrés. Come to the faculty office when you arrive. Quand tu arrives à l'école demain, passe à la faculty office. Il te traite comme si t'étais une espèce de nuisance.
Je suppose que ça veut dire que tu as un casier judiciaire. Bah t'es pas au courant. Ouais. Ah peut-être pas, je sais pas. Allez, turn out you pass, allez oublie de passer. Enfin non, ah non. Il a l'air, il semble être que peu importe où tu vas, ton passé finit toujours pas de te rattraper. Au fait, if you get expelled, si tu es expulsé de l'école, je n'hésiterai pas à te dégager aussi, c'est clair. I'll be careful. Ah, l'école ne changera jamais, hein. Hey. Allez, on rentre. What a troublesome situation. Quelle une situation dérangeante. Jersey wearing teacher. Excellent, juste parce qu'il porte un t-shirt New Jersey ou un truc du genre. Ça sent bien le prof de sport, tu vois. Can't believe they pushed someone with a record on me. On sait pas qui mettrait un quelqu'un comme ça. Un comment? Que ça arriverait sur moi, que c'est moi qui me chargerais de ça. Un professeur mal aurait été meilleur pour ce cas. Pourquoi quelqu'un comme ça a été admis ici? C'est une décision du principal. Il a parlé que c'était pour la réputation de l'école. J'espérais que ma team de volley, ok, contribuerait à faire quoi? Mais j'ai pas compris le Covazat, je sais pas trop. Faites attention, si quelqu'un a peine, je m'occupe de le dégager et que ça saute, tout ça. On n'est pas aimé. Voilà, concrètement, je vais pas traduire tout. Je retourne pratiquer, hein. Oui, tu as un tournoi de volley qui arrive, n'est-ce pas? Oui, c'est un problème en soi. On doit travailler dur. Ça se passe bien. Ouais, donc on est détesté. Mais bon, ça on avait compris. Arrête de pleurer, je suis un good guy. Ah mais ce costume. Van. On est dans les bouchons. À partir de demain, tu prends le train. Comment c'est? Je parle de l'école. Tu penses que tu vas pouvoir assurer? Ça va être dur. Nous allons voir, it's in fun. Moi je suis un mec optimiste, moi. J'ai toujours été optimiste. Que tu, au moins, tu comprends la situation. T'étais expulsé une fois. Hein. De penser que tu peux être réengagé dans une autre. C'est pas comme si quelqu'un... C'est pas comme si les gens allaient être sympas avec toi à ce niveau. Allez, il y a une trop belle somme qui doit. Je flemme de vous. Allez, le silence. Le silence est d'or. On m'a demandé de le faire et j'ai juste accepté de le faire. J'ai même été payé pour ça après tout. De nouveau, un subway a déraillé à la station de Shibuya. Un autre accident. Ah, il y en a de plus en plus en ce moment. Là, on est au evening. Voilà, c'est ça. Et après, tu dois avoir night. C'est l'accident qu'on voit, c'est ça? Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh oui! Monsieur, vous semblez avoir quelque chose. Monsieur! Oh! 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 Oh, ça pue! Oh fuck! Il a pas eu le temps de le dire, lui! Oh non! Alors, ouais, ça aurait été cool de mettre les trad. After questioning, even he could not explain his high speed when approaching the station. No further comments were made. Police are still looking for a plausible motive. It's less of an operating accident and more of a crime of the company and the government. Apparently reported all of this 6 months ago. The deterioration of the tracks and the ATC. C'est celle qui nous a interrogé tout à l'heure. Donc là, je vous laisse lire hein, pour les trucs. Hein. Blind eye to the truth. There's no way they can hide. This will go all the way to the top. Now on to our main story. With this derailment accident,
C'est le nombre d'accidents, ça? Ça en fait un paquet, quand même. Concern is spreading among the general public. Just what could be causing such a drastic change so suddenly in these people? SNN has... Everything's linked. That's what you're thinking, correct? Furthermore, according to SNN sources... Oh well. Are you free? You and I haven't gone for a drink in a while. T'es dispo pour aller boire un coup, mais bien. Merci, mais je dois aller ailleurs. Je dois y aller. J'ai eu le temps de lire la phrase complète. Did you ask for me? Is it a case? Not quite. I want your... Veux ton avis sur quelque chose? Sure. Your judgment is quite often correct, though. Can we discuss this over sushi, perhaps? T'es le méchant. You are making a student work late, after all. Conveyor belt only. Lui là, lui là, qui était juste là, là. Il pue la tête de méchant. Je sais pas. C'est... Il a des airs de Yagami Raito. Obligé de s'affaire. A noter, Elsar, qu'il a pas les yeux fermés. Tu sais, le fameux truc qui... Il fait que t'es forcément un enculé. Tu souris et t'as les yeux fermés. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de trafic, quelle perte de temps. J'ai même pas été capable d'ouvrir le café aujourd'hui, quoi. Well. Quoi qu'il en soit, allez. Va monter les escaliers. Oh, pardon. Il y a quelque chose que je dois te donner. Le Kitsune Eyes, c'est ça! Combien 80 people involved sur l'accident, ah putain. Oh. C'est un agenda. Assure-toi d'écrire dedans. Ok. T'es peut-être en probation, mais t'as pas de limitation ou quoi sur ce que tu fais ou autre. Donc, à part suivre la loi, c'est tout. C'est pas ce que tous les gens sont censés faire, genre avoir la liberté qu'ils veulent, mais suivre la loi et pas empiéter sur la liberté des autres. De quoi, je suis obligé de faire des rapports pour toi, donc je dois avoir un record de tes activités journalières. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais partir maintenant. T'inquiète pas, je serai là dans peu de temps. See you soon. Hey, je me casse, je ferme la porte, fais ce que tu veux pour le restant de la nuit. Mais ne pète pas mon magasin! Quelque chose disparaît, je t'envoie direct à la police. À l'école demain, alors tu ferais mieux de te lever. On va faire comme on me dit. Alors, je devrais écrire qu'est-ce qui s'est passé dans mon carnet. Donc, c'est pour simplement pouvoir sauvegarder. I'll just add this. Et la sauvegarde. Hop. Yep, go to bed. Cette sonnerie ne vient pas de mon téléphone. Ça vient d'en bas des escaliers. Où est-ce qu'il est, téléphone? On va savoir, on risque pas de le louper. Hein. Il est moche. Yo, c'est moi. Est-ce que c'est une blague? Mais tais-toi, t'as déjà oublié ma voix, c'est Sakura. J'ai fermé le magasin, mais j'ai oublié de mettre le sign close, donc le panneau qu'on voit à l'arrière là-bas. J'ai trop la flemme de revenir, alors tu peux me le tourner? Ah, c'est bon. Et sûr que personne ne... Même si je suis sûr que personne va venir, même si c'est écrit open. Ouvert.
Allez, salut. Est-ce que je peux ne pas le faire? Je prends un mec sympa. Salut Sakakara. Putain, Sakakara. Excuse-moi. Bienvenue. Du coup, non, moi je veux tourner le sign. Pas le droit. Ah, c'est quoi? C'est tant que, en fait, j'ai pas tourné. Ah, il y a plein de boutiques, tout ça. Je dois me lever, je devrais flip the sign et go to bed. Alors, vu qu'il me manque, hein. Ah, ok. Je vais rappuyer. Ton premier Persona. Non! C'est mon troisième. J'ai fait Persona 3, Persona 4, et ben maintenant le 5. Trop eu la flemme de faire les deux premiers, alors que le 2 reste, il paraît, un truc de ouf. J'ai lu pas mal de trucs dessus. Mais je me suis jamais senti de le faire. Non, à foutre. Je garde au calme. Allez, va dormir. Je dois prendre le train pour aller à l'école. Young Jaya. Ouah, putain, mon angle. Ouf. Pareil, le 1 et le 2 sont un peu trop vieux pour moi. On est d'accord. D'accord. Mais pour l'instant, j'ai un putain de bon feeling sur ce jeu. C'est ouf. Je pense qu'il va être aussi bien que... voire même mieux que les deux précédents. Je dois aller à Shibuya. Ok. Cet accident de tramway. C'est vrai que beaucoup de gens avaient été blessés. Ah ok, il est en train d'écrire son diary, donc il fait un... Allez, encore une application chelou. J'ai fait aussi les Persona Arena, moi. J'ai fait les jeux de baston. Même si je joue très mauvais aux jeux de baston, et que ça fait pas partie, il me semble, de la timeline officielle, c'était cool à faire. Pour l'instant, des tests que j'ai lus, il y a que des 10 sur 10. Ouais, je sais pas si je mettrais... Ouais, enfin franchement, j'attends de voir parce que je pense que l'histoire, elle va encore me retourner la tête. Et que je vais kiffer ça. Mais j'attends de voir. Mais en tout cas, pour l'instant, l'ambiance est bonne, les menus, sérieux, les transitions et tout, c'est trop cool. Je pensais que je l'avais effacé. C'est l'heure de l'effacer à nouveau. Hop là, je devrais reboot mon téléphone au cas où. Allez, tu... Le 2 mai, tes paupières sont lourdes. Deuxième acte. Allez. Nous sommes le lundi. J'ai école à partir d'aujourd'hui. Hop, je ne veux pas être en retard. C'est mon premier jour. Donc on bouge son cul. Et du coup, ouais, j'allais dire, il y a Sojiro. Oh, tu vas à l'école, c'est bien, je vais te nourrir, mais assure-toi d'avoir fini avant que les clients arrivent. Du curry? C'est quoi cette réaction? Mange! Je ris au curry dès le matin. Oh, trop bon, sérieux, oh, j'ai envie de rire au curry. Allez, casse-toi. Merci pour la bouffe. Casse-toi à l'école maintenant. C'est parti. Ok. N'oublie pas de le faire pour moi. Et c'est bon. Putain, le mec il peut pas faire 5 mètres quoi. Cette tronche. C'est ouvert. Donc. La map. Et la map. Droite ou gauche? Allez, moi je sens bien que c'est par là-bas. Allez, on court. Ah, c'est ça, Yongen Jaya Station. Au métro. Oh, c'est trop bien, ça fait comme au Japon. Allez, stylé. J'adore, franchement, j'adore. Ah, donc la VO est en DLC, bah merci Sakakara, parce que putain, qu'est-ce que j'aimerais foutre le jeu en Jap, sans déconner.
Après j'hésite parce que si je stream tout le jeu, ça peut être, c'est peut-être mieux pour les gens, tu vois, qu'ils aient les textes en qu'ils aient au moins les voix anglaises en prime du texte. Donc je vais voir. Mais d'accord, donc c'est en DLC. Moi je suis trop hype, je suis trop pimp. J'ai eu ma Tech Your Art, je l'ai trouvé au magasin en avance là. Donc trop hypette de ouf. Mon DLC gratuit. Ouais, heureusement. J'ai pas montré, si je sais plus. J'ai montré vite fait en début de live. Tiens, je vais me grossir pour montrer mon super chat Morgana. Blablabla. Bonjour. De cette collector, je vais dire, on va faire petit unboxing live. Non, le temps que ça charge, ouais, ça a chargé. La petite boîte, le petit steelbook que je trouve trop stylé de ouf, sérieux les gens. Et j'ai les goodies, ils sont portés de main. C'est l'unboxing au milieu de la partie, on s'en fout. On s'en fout. Déjà la boîte elle est trop bien. Ah, trop cool. Je spoil ceux qui attendent leur Tech Your Art et qui l'ont pas eu. L'OST. Un artbook. Bien entendu. J'ai pas encore. Qui est encore sur le blister. Je l'ai pas. J'ai pas des balles. Et le fameux sac que j'ai toujours sous le blister. C'est pareil. Je regarderai bon, après stream, je pense, tranquillement. Pour kiffer tranquillou les petits bonus de l'édition. Hop, à l'abattoir. Tac tac tac. Hop hop hop. Du coup, la suite c'est par là-bas. Oh là, je suis perdu. Ça y est, il y a quelqu'un qui parle là. Qu'est-ce que Hey, listen. C'est encore du retard, l'accident était hier. Désolé, mais il y a eu un accident majeur quand même. Je l'ai eu aujourd'hui avec le remaster de Kingdom Hearts. Ah cool, faut que je l'achète le remaster. Si je reste au milieu, je vais juste vous casser les noix les gens. Hein, donc on va se remettre... Ah non, mais je m'étais pas grandi, j'avais pas fait la transition, j'ai montré en bas comme un gros sagouin. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui avec la remaster de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, j'ai fait que le 2. J'attends que tous les remasters et trucs soient sortis pour tout acheter et me mettre genre en longue période full Kingdom Hearts. C'est pas la première fois que ça arrive et vous n'êtes pas mieux préparé que ça. Super, si toi tu penses que on s'habitue à ces conneries, pas t'es un peu con mon gars. Nous on va sortir. On a bipé, c'est bon, on a respecté la loi. On a bipé avant de sortir. Du coup, est-ce que c'est par là? Pas. Alors. J'avais pas vu en haut à droite. Vivez une vie d'honnête étudiant. Je prends les escalators à l'envers, non? Non, pas le droit. On doit changer à la ligne de Ginza. Alors attends. Y'a pas moyen d'avoir un. D'accord. On n'avait pas moyen d'avoir un petit. Je sens que je vais me perdre un petit peu dans ce truc. Station Square. Ah, hey, listen. Ouais, on est en direct de la station Shibuya où il y a eu un accident hier. Ok, blablabla. C'est quoi? Tente de loterie. Je suis pas un mec comme ça. Shibuya Station, c'est pas ça que je veux aller moi. Take you. Du coup je dis pas. Ouais mais c'est la Shibuya Station aussi là. Ok, ah le JL et tout. Putain, c'est trop bien, on se croirait vraiment au Japon. Je sais pas où je vais. Examine. C'est pas par là. C'est le G-Line. Je me souviens bien, je suis censé passer par la Ginza Line pour aller. À l'école, bon, on va la chercher. Hein. Tranquille, le héros passe à la caméra. C'est ça, on fait notre pub. Ouais, c'est. D'accord, ça c'est vrai. Je me disais pourquoi ça fume. C'est l'arrêt, la zone de fumeur, ok. Toc. J'aimerais aller à Ginza, s'il vous plaît.
Central Street. Je devrais aller à l'école. Ok, c'est tout. Tout faux. J'ai tout faux. Pour l'instant. Est-ce que ce serait par là? Non, là, il y a des petits escaliers, là. Hop. Underground Walkway. C'est toujours pas ça. Ah, c'est le temps de connaître un peu les lieux, hein, ça, de toute façon. J'ai pas le temps, je dois aller à la ligne de Ginza. Putain! Ah, je suis sûr que c'est au TQ, là, qu'il faut prendre. Ginza, tout ça, ouais. Y'a du pain! Allez, je reviendrai quand j'aurai de la thune, ok. Ça marche. Faites bite. J'ai compris, mon gars. Passe à... Que tu bites. Est-ce qu'on doit vraiment attendre le train et tout? Quoi? Ah, right train. D'accord, c'est bon. Il arrive plus vite si on clique. On y go. Pendant ce temps, oh, au café, homme en costume. Ils n'ont pas dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Bon, il pleut dehors. Commencer d'un coup d'un seul. Ah, en effet, on va peut-être avoir un lien. On a le petit icône. Petite icône parapluie là en haut qui s'est mise. Est-ce que ça va avoir un lien direct avec Persona 4 et ses fameux problèmes de pluie? Il a pris un parapluie, de qui tu parles? Donc ne t'occupe pas de ça. Qu'est-ce que ce sera? Les effets de l'accident de tramway de hier, les nuages se sont transformés en parapluie. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, Broken Dragon. Il y a peut-être moyen qu'il y ait encore un lien avec la météo. Il y a peut-être moyen. Continue, aujourd'hui, bah, plusieurs lignes ont été perturbées à cause avec de nombreux retards et tout. Il y a eu pas mal d'accidents en ce moment. Je parle de l'accident de train, de subway que je parle aux infos. C'est creepy as fuck. Voilà ce qu'il dit. Les gens qui causent ces accidents deviennent fous d'un coup d'un seul. Certains pensent que c'est nerveux. Early morning, donc allez, nous, on n'est pas en retard encore. Et j'y suis enfin, maintenant faut aller à l'école. Pas le temps de dire, ça doit être par là. Une académie. Jeunesse et beauté, c'était écrit à droite en français. J'ai encore mon appli de... Mon appli What the Fuck. Ah, une de mes futures potes. Pourquoi est-ce que tu me regardes, Redneck? Ah non, ça va, elle a l'air sympa. Ouais, veux-tu que je t'emmène à l'école? Tu vas être en retard. Merci. Professeur pédophile. Salut, toi. Il l'emmène pas, mais quel gros bâtard! Ouh, le truc tout net! La deuxième! Putain! Fuck ce pervers teachers! C'était sûr, ça! Pas l'air honnête, le prof. Non, on est d'accord, il n'inspire pas la confiance. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, ça y est, il joue le mec qui se la pète.
C'était Kamoshida. Le prof. Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'il est le roi du château, tu ne le penses pas? Le roi du château? Je veux dire. Eh, mais Kamoshida, mais c'est grillé, j'aurais pas dû regarder les vidéos. Ouais, je vous spoil pas. C'est Chujin, non? Bah, Chujin tout. Ah, aucune autre école a un uniforme comme ça, donc bon. La deuxième année, hein, on est de la même année. J'ai pas vu avant, faut croire, en revanche. Un étudiant transféré. Ça m'étonne pas que tu ne connais pas, du coup. Ne connaisses pas. Allez, la pluie, ça va chier. On ferait bien de se grouiller, on va être en retard. Oh! Oh, la tête lourde! Je peux rentrer à la maison, j'ai mal au crâne. What the fuck? Ok, on revient. Oui, à la prison. Il y avait eu un accident terrible de tramway ce jour-là, tu t'en souviens? Ouais. Jamais entendu parler de. Peut pas être. Ouais. C'est partout aux infos, et en plus, une des victimes était un des professeurs à ton école. Certain que tu. Entendu. Ce jour-là, est-ce que t'étais encore un étudiant ordinaire? Je voulais dire. Laisse-moi changer. Transférer à la Shujin Academy. L'école de Shujin. An ordinary prep school that could be found in any city. Une école comme les autres qui pourrait être trouvée dans n'importe quelle. That's what it should have been. C'est là que tu aurais dû être. What happened around that time? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout. La vérité. Le petit flashback. L'appli qui reproc, a priori. Oh. Hein? What? Hein? What? What the fuck? Eh ben, faut croire qu'on a trouvé le château. We didn't come the wrong way though. Yeah, this should be right. De l'eau comme ça, c'est suffisant, mais tellement. Un château au milieu de Tokyo, au KLM, hein, on y va, on s'en bat les steaks. Les gars, please. Où est l'école? Où est-ce qu'on est? Ça devrait être l'école, je pense. Out of service. Ça ne marche plus. Where do we end up? The sign was for the school, right? Oui. Right? Oui, tu l'as vu tout aussi. Jeez, ah, tu m'as fait peur. T'es qui? L'étudiant? Là, ton costume, il est excellent, et c'est une vraie armure. Allez, là, arrête de pas bouger, dis quelque chose. Hey, what the fuck? Ça doit être une blague. Je pense vraiment. Cette merde est réelle! Cette merde est réelle! Calmez-vous, time out! On devrait mieux de courir. La titre! Tu me le diras pas deux fois, gros. Stop standing around. T'as pété mes autres, trous du cul. Pour qui tu te prends?
Take them away. Emmenez-les loin. Je vais vous sauvegarder. Oui. Hey. Hey, debout. On est en prison. Ils nous ont pas buté, c'est déjà bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une prison, hein, dans cette 1h30 de jeu. Mais bien. Ouais. Ça n'a pas l'air d'un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, laissez-nous sortir! What the fuck are we? Est-ce qu'on a... Petite référence à Persona 4, à l'album, est-ce qu'on est dans une espèce de show TV? Oh. Oh. C'est quoi ce putain de délire? Donc ils sont torturés quoi. Whoa. Tu me shit dessus. Tiens. Et il est encore en zonzon. Non mais t'as vu ça, Elstar? C'est... Come on, man. Ça pue vraiment. Il y a moyen de sortir. Allez, on doit faire quelque chose. Les chaînes sont utilisées pour genre torturer et tout ça. Cette merde, c'est pas, elle est pas très drôle. Dirty bed. Combien de temps est passé depuis qu'on est tombé dans les pommes? Un barrel, d'où un barrel roll? Est-ce qu'on devrait se cacher dedans et comment? Et piéger les gardes? Ça va pas, sans doute pas marcher. Eh, hein? Hey, t'as entendu? Je suis content que votre mission ait été décidée. Vous êtes accusé d'être entré par... une entrée non autorisée. Pour cela, vous serez condamné à mort. Say what? Personne. Bienvenue. Voilà, ben voilà, le spoil n'a pas duré longtemps, voilà. Kamoshida, c'était bien le mec en slip qu'on voyait dans les vidéos de Persona. Je pensais que c'était un pauvre voleur, mais je pensais que c'était toi, Sakamoto. Est-ce que tu essayes encore de me désobéir? Faut croire que tu n'as pas appris ta leçon. Et tu as amené un ami cette fois. C'est pas drôle, trou du cul. C'est comme ça que tu parles à un roi. Il n'est pas en position. Non seulement tu t'es introduit dans mon château, mais tu as commis le crime de m'insulter. La punition pour cela est la mort. On voit pas son slip, c'est caché par les barons. C'est trop cool. Take him out. Arrêtez ça. God damn it. Allez. T'as un bon petit fusil, physique quand même, Sakamoto. T'es physique comme gars. Je me ferai pas avoir par cette merde. Allez, on se casse d'ici. Ok, reste à ta place. Allez, casse-toi, les gars, c'est sérieux. Une petite seconde. Hop, et moi. Les gars sont sérieux? Oh, tu essaies de t'enfuir, hein. Quel ami sans cœur tu fais? Nous ne sommes pas amis. Allez, dépêche-toi et casse-toi! Quel est le problème? Trop effrayé pour t'enfuir? Mais pathétique, piece of shit! Voilà, en gros. Hein. Je vais me concentrer sur l'exécution de celui-ci. Prends ça dans tes genoux! Petite pute! Non, bah, c'est pas ça qu'il dit, mais. Peste inutile! T'es craché dessus là! Où est ton énergie d'un petit peu plus tôt?
Un paysan comme toi n'est même pas marrant à battre. Mérite même pas d'être battu. Je vais devoir te buter maintenant. Arrête ça. C'est pas qui. Ce regard dans tes yeux, ça m'énerve. Tenez-le là, après le paysan, ce sera à son tour de mourir. C'est vraiment un jeu unfair. Tes chances de gagner sont presque nulles. Ma voix t'atteint, il y a une possibilité pour toi. Problème. Est-ce que tu vas seulement regarder? Alors, la mort t'attend si tu ne fais rien. Est-ce que ton ancienne décision était une erreur? Ça ne l'était pas. Très bien, j'ai entendu tes résolutions. Tu peux les récupérer. Prêt à ramener tous les actes sacrés de la justice. Appelle mon nom et relâche ta rage. Contre la force de cet esprit. Oh, putain, c'est compliqué, il y a pas mal de mots. Exécutez-le. That's enough. Tu veux être tué à ce point? Très bien. Ordre traditionnel. Bon allez, une onde Saiyan. Ah ouais. Il a enlevé son masque pour révéler son vrai lui. C'est beau. Bim! Le roi s'enfuit. What the fuck? Trop bien. I am the pillager of twilight. Le pilleur de l'aube. Arsène. What the fuck? Je suis l'âme rebelle qui réside en toi. Si tu le désires, je peux considérer te donner mon pouvoir pour passer cette crise. Ne pas mourir, donne-moi ton pouvoir. Très bien. What the fuck are you? Garde! Commencez par tuer celui-là. Prends la vraie force de mes hommes! Défais les ennemis devant toi. Change ton animosité en pouvoir. Et lâche-la! Relâche-la! Using skill, you can use skill by using triangle button. Ouais, ok. De toute façon, je m'en apprends rien. Ok, on peut voir. D'accord. Je suis obligé d'utiliser mon personnage skill. Ok.
Le truc il s'appelle Heya. Prends ça dans tes joues. Swing your blade. Ajuste ton arme. Frappe de ton arme. Donc là on va faire une mêlée attaque maintenant. Bim. Le pouvoir qui est le mien et le tien. Tue les tous comme il veut. Deviens. Relâche la sauvagerie que ton cœur contient. Monnaie, XP, pas d'item, le level up. Alalala. Interface est beaucoup trop. Panique pas gros, c'est normal. What? What? Passé. Petite piece. Petit... Ah non, j'ai cru you little piece of. Allez, c'est le tacle. Allez, ça sent les vraies insultes. T'as aimé ça, petit fils de pute? Hop la clé. You mean it? Okay. Et bim. Voyez maudit, je suis en slip. Qu'est-ce que c'était là? Et tes habits? Wow, t'es revenu à la normale. Vous les bâtards. Allez, on se casse. Tu guides le chemin. Poiré de voleur. Après eux, ne les laissez pas s'échapper. Bande de bâtards, vous pouvez vous enfuir et faire ceci et me faire ceci. On s'en bat les couilles. Allez, on se casse. Allez, est-ce qu'on peut sauter par-dessus ce truc? Oui, on peut sauter par-dessus ce pont. Yeah. Découvre un peu la mécanique de donjon là, du coup. L'exécution, c'était sérieux? On crawl. Émerge. On émerge. Beaucoup plus dynamique en termes de déplacement, je trouve, que Persona 4. Bonne chose. C'est quoi ce bordel? Eh, hey, on devrait se cacher. Ouah, il nous cherche, hein. Comment tu penses que la sortie est en haut? Sortons d'ici. Tu dois plaisanter là. C'est pas une sortie. Qu'est-ce que c'est que cette merde de cet endroit? De ouf. Là au gros. Regarde. Nous avons déjà entendu des gens crier. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été capturés, mais est-ce que ça va bien? Non, il a une tête en... Il a une tête de robot. Pas un moyen d'abaisser ce pont-levis? Dadem. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Hey. Et toi là-bas? Hey. Blondie frisière, regarde par ici, le blond. Que c'est Morgana. What is this thing? You're not soldiers of this castle. Vous êtes pas des soldats de ce château, n'est-ce pas? Laissez-moi sortir. Tu ressembles à un ennemi aussi. Je suis prisonnier ici et je suis ton ennemi. T'es bête ou quoi? Tais-toi donc.
Tu dois m'aider. Catching up already. On nous attraper pitié. Shit, there's still no service. Ain't there any way to contact? Comment de contacter quelqu'un à l'extérieur. How the hell do we get out? Et vous tous, vous voulez connaître la sortie? Bah laissez-moi sortir et je vous le montre comment c'est. Pas mieux de pas avoir menti. Je jure, c'est la vérité. Allez. Allez, si vous pensez pouvoir sortir de la seule, allez-y. Que devons-nous faire? Vous voulez vraiment pas de notre gueule? Si vous dépêchez pas, ils vont vous attraper. Allez. La liberté à bon goût. Now where's the exit, you monster cat? Je ne suis pas un chat, je suis Morgana. Allez, tais-toi et dépêchons-nous, tu vas être bloqué encore. Allez, go. Follow me. Et suivez-moi et restez silencieux. Pendant ce temps. Jeez. Quatrième période, Sakura-san. Quoi? A dit que Oborudo Kud a quitté la maison ce matin. Est-ce que je devrais contacter la police? Non, ça serait. Qu'est-ce que j'ai fait pour vérité? On n'a rien fait, nous. Parti. Allez, je suppose qu'on va juste devoir le suivre. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Je descends le pont, voyons. Well. Hey, regarde dans la bouche de la statue. Et aussi simple que ça. Comment on était censé connaître ça? Allez, amateur, on continue. Allez, amateur, stay still. Tu peux te battre. Allez, let's go. Il y a aussi Agugus. Oh putain, c'est eux. C'est Silver Chariot. C'est Paul Naref. En version chat. The King Shadow. Ils veulent vraiment nous tuer. Je vais te supporter, so bats-toi comme si ta vie en dépendait. C'est parti. Alors c'est quoi Order? On peut analyser et tout. Ouais, c'est cool. Persona. On va viser. On va viser le petit diablotin, je pense qu'il doit pas y aller. Je savais que tu étais un amateur. C'est comme ça que tu te bats. Garou! Il me tape dans la weakness. Ouais, fait. Tape l'ennemi dans sa faiblesse et comme ça tu pourras faire un one more! Allez, passons vite ce truc. One more! Attaque. Le level up et le level du persona. Hop. New skill. Okay. Arsène a appris un nouveau skill. Leave. Non mais... Pas mal. Ton persona est plutôt fort. Persona? Je veux dire ce truc qui sort Ouais, tu as vu comment Freezy Air ici enlever son masque quand il est enlevé. Enfin, chaque personne porte un masque au fond de son cœur. En l'enlevant, il est incapable de.
Il est redevenu normal. A priori, tu n'as pas encore le plat contrôle sur ce pouvoir. La transformation ne devrait pas disparaître comme ça. Ok, j'en ai marre. Ça n'a aucun sens. Bah, tu peux pas juste t'asseoir et écouter, hein, Blondie? T'appelles pas Blondie, mon nom est Ryuji. Hey. Allez, c'est pas toi de te faire la lecture. On veut se casser d'ici, non? Alors, allons-y. Avant, utilise ceci et utilise-les correctement. Des médecines. Okay. On devrait se dépêcher. On n'est pas très loin de la sortie. Now then. Allez, sois sûr que tu es bon au niveau HP, tout ça. Non, je ferai pas d'auto-recover, j'en ai pas besoin. Je pense pas. Le menu. C'est parti. Un pour le vie. Attends une seconde. C'est là comme si j'ai vu. C'est comme si j'avais vu. Qu'est-ce que ce mec porte? Je me souviens de rien. Allez, dépêchez-vous. Allez. Come on, man. What did you say? Qu'est-ce que c'est? Nous devons y aller vite. Mais qui sont ces gens? Je pense vraiment qu'on a le temps de s'occuper de qui sont ces gens. Allez, dépêchez-vous. Ben. Il a dû m'écouter. Let's fight. Autant que tu sois chaud pour ça. C'est parti. Persona. You're mine. Alors. Et le décès. Le level 3 de Morgana. Allez, cassons-nous avant qu'il y en ait plus qui arrivent. On peut pas laisser ces gens ici. Je ne comprends pas, hein. Pas le temps de t'expliquer. Allez, j'y vais. Si tu veux pas me suivre, bah démerde-toi. Allez, c'est bon, je viens. This way. Allez, l'entrée est par là. On y est. Enfin, sauvé. C'est fermé. Je te l'ai piégé, petit con. Faut pas confusion, viens par ici. Hey, wait. Where are we supposed on to est censé, il n'y a même pas de fenêtre. Amateur, c'est le plus basique du basique. Produit de ventilation. C'est ça. C'est naturel pour ça. Ça va directement dehors. I see. Then we just gotta get that metallic mesh off. And a one, and a... Et ça. Ça. Wow, il s'est cassé la gueule. L'ennemi ne nous a pas entendu, n'est-ce pas? Allez, on va enfin sortir de là. On va attendre d'être dehors avant de célébrer. But... Passe à part toi. J'ai encore quelque chose à faire. On se sépare nos chemins. Merci. Be careful on your way. Those two seem de là ont l'air utiles. Especially the frizzy en particulier celui avec les cheveux frisés. On est réussi.
d'être vu. Mais au vrai monde. Venu. Huh? Does that mean we got away? Super. I don't know what... À quoi penser? C'est quoi ce bordel, ce cas, ce château, Kamoshida, le chat étrange? What the fuck? What's with the yelling? Are you students of Shujin? Vous gueulez? Vous êtes en train de bleuter? Non? J'essaie d'aller à l'école et on a fini dans un château bizarre. T'as pas intérêt à avoir de drogue dans ton sac? Pensez quoi? C'était ton ami. never met him. Oh. You seem quite friendly with him, though. Allez. Like I'm trying to say, I don't know what's going on. Je comprends pas ce qui se passe. On est passé par Shujin. There was nothing. Il n'y a rien d'autre que une arène plus normale. Continue à dire du non-sens. Je contacte l'école, c'est clair. Come on. Allons-y. That's not. Wait a sec. Qu'est-ce que ce mec est? Au lieu de finir, je vais bouffer, je m'apprête à décoller. Ça tient toujours la soirée ou tu veux geeker sur personne? Non, non, ramène ton cul! Ramène ton cul, mon petit Telstar. Ministre des Transports a annoncé sa démission. Ah, t'es un petit pédé, toi! Les choses vont comme t'as prévu, petit salaud. Sainijima, celle-là, je m'en souviens. Ça me rappelle. Et j'arrive, ça roule. Better to leave it be for now. Pas d'où, Telstar. Lunchtime, ah, c'était juste ma bonne idée, ça. I'm sure we came the same way. That's exactly what I wanted. We received a call. Allez, la police a tout raconté. It's rare not to see. Where were you roaming around? T'étais dans un château. T'as pas envie de répondre honnêtement. Kamoshida. You seem so carefree, Sakamoto. Eh, l'air d'en avoir rien à foutre. Hein? La faute, si. Comment tu parles à Mr. Kamoshida? Celui qui nous a provoqué. Tu veux être expulsé? In any case, you'll have to vous allez devoir vous, vous expliquer, suivez-moi. Bullshit! Allez, je devrais être plus considérant, alors disons que nous sommes tous les deux à blâmer. Et vous le dites. Faut-il que vous venez avec moi, vous êtes extrêmement en retard. Tu es le nouveau student transféré. Le regard de haine. Vous s'est rencontré quelque part. Asso girl, Inyurka. That's right. Well, I'll overlook this just. I'm sure you've heard from the principal. Cause des problèmes, mais t'es viré, c'est clair. Overlook mort. C'est censé être une blague, je ne rigole pas. Dépêche-toi et va à la faculté office. Allez, bonne chance pour apprécier ta nouvelle vie scolaire. The school turned into an old castle. L'école s'est transformée en vieux château. Un chat parlant. Était en train d'halluciner d'une overdose ou comment ça se passe là? Je veux que tu continues ton histoire. Ceux qui reçoivent la carte d'appel des voleurs fantômes. An alumnus from Shujin Academy. Je sais pas c'est quoi. Enfin, en tout cas, un prof de Kamoshida, quoi. Voilà. It's true that what he did were deplorable crimes. C'est vrai. Attends, it's true that what he did were deplorable crimes. Ah, il a fait des. J'aime pas cool.
Il a tout confié. But there should have been no connection between the two of you since you had just. Il ne devrait pas y avoir de connexion si vous étiez tous les deux. Why did you target him? Tous les deux transférés, si. Pourquoi l'avoir ciblé? Je vous le dirai plus tard. Ce n'est pas acceptable. Essaye de te souvenir une nouvelle fois. Ok. Reed. Résumé de l'histoire a été mis à jour. I need to go to the faculty office. Oui, pas par là. Il faut monter à l'étage. Ok. Je sais que c'est par là, la 2D. Je sais pas si c'est ma classe, mais. C'est à cet étage, ok, d'accord. Parce que c'est tout droit. Ah non, c'est forcément. Ou alors ces portes elles sont. Ah ok, c'est ça. Eh hey, bonjour. Comment ça va? Je suis pas en retard, j'espère. Incroyable. Une demi-journée de retard, est-ce que tu peux t'expliquer? J'étais dans un château, mon train était en retard, je me suis perdu. Quand tu as pu te perdre autant, il est presque midi. Ah bon, c'est vrai que t'es probablement pas habitué à l'endroit encore. En plus, j'ai entendu que tu as été attrapé avec Sakamoto Kun. Je n'avais pas le choix. Ne sois pas impliqué avec lui, ok? Ne commets que des troubles. Allez, la pause est presque finie. La classe vont finir à la cinquième période aujourd'hui à cause de l'accident de métro. Je vais devoir t'introduire à la classe. Viens avec moi. Au fait, quand tu t'introduis, sois sérieux et. Comment et. Même si tu mens à la classe, ok? C'est rien, ne dis rien qui n'est pas nécessaire. Tu penses que c'est lui? Il y avait des rumeurs? Being super late on his first day? Pour ça, des trucs, il doit vraiment être malade. Il a l'air normal. But he might slug us if we il peut nous défoncer si on le regarde dans les yeux. Settle down. Well, I'd like to introduce le transfert. Mekoi Oborudo. Today we had him attend from the afternoon on since he wasn't feeling well. Pas bien, tout ça. Please say something. Hey, s'il te plaît, dis quelque chose à la classe. Nice to meet you. This is crazy. On va dire mon prénom. He seems quiet, but I bet when he loses it. Hey, il avait l'air Sacha. I mean, he was arrested. Allez, for assault, je rappelle, right? Il est assaut, non? Your seat will be. Ton siège sera par là, là. Celui qui est open. Sorry, but can the people nearby please share your textbooks with him for Et today? Est-ce que les gens à côté peuvent partager leur textbook avec lui? Ça sucks. T'as l'air d'avoir été battu, toi. Lies. Menteur. Mais c'est cette gonzesse. Did you catch that? Do those two know each other? Que ces deux-là se connaissent? Ew, does that mean ça veut dire qu'il l'a frappé avant de... Putain, mais... Le truc de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'elle... Elle le trompe avec... Quoi avec Kamoshida? Quoi? What the fuck?
Oh right, the volleyball round. Du volley dans deux jours, ouais. So make sure you use that. Well then. Commençons. Who's on duty today? Qui est de corvée aujourd'hui? Everyone. Eh bien, please rise. After school. Ah putain, arrivons. Hmm? Qu'est-ce que c'est le problème? Et ce casta, et ce que c'est une école. Je suis sûr que tu vas bien. Donc les gens parlent déjà. Déjà toi, mais je suis pas celle qui va parler. Je peux même pas me reposer. Pourquoi comment je vais faire de ça? Allez, rentre direct. Otsakabotu-kun, ne sois pas impliqué. Parlons du diable. J'ai appris que la police t'a encore surpris à bleuter. Attends sur le toit. Là, je voulais pas que tu sois appliqué, ok? Pourquoi tu vous avez autorisé un étudiant comme lui? Il a commencé déjà à s'être, ça commence à s'associer à Sakamoto. Un mec avec un casier judiciaire. C'est pas comme ça. Cette école compte sur vous, Kamoshida. Vous êtes notre star. Still, a steady build-up is necessary behind such brilliance as well. Your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? All right, I understand. I'll continue to do my best. Je vais essayer de continuer de faire le mieux pour les expectations que vous avez, donc pour ce que vous attendez de moi. Pas tout ça. Alors. Let's go to the rooftop. Là. There you are. Sorry for calling you up here. Je t'avais appelé comme ça. I bet Kawakami already told you stuff like don't get involved with him. Pareil que Kawakami, t'as déjà dit des trucs, ne sois pas impliqué avec lui, tout ça. Elle a dit que t'étais un problème. On est à peu près dans le même bateau, mon gars. J'ai appris que t'avais un casier judiciaire, tout le monde parle de ça. No wonder you were so gutsy. Qu'est-ce qui apparaît juste? Et on avait presque été tués dans le château. C'est pas un rêve, n'est-ce pas? On se souvient aussi, hein. Ouais. Well, just because we both remember it doesn't mean much, though. Pas dire grand-chose. I mean, even if it was a dream, je veux dire, même si c'était un rêve, tu m'as sauvé de Kamoshida, so. So yeah, thanks. Merci, Mekui. Oui. You're welcome. Avec ce Kamoshida qu'on a vu là-bas. Pas à propos, de lui, mais il y a des rumeurs à propos de lui. C'est ce mec, ce gars que tu as rencontré à la porte de l'école. Le trou du cul là qui était trop sûr de lui dans le château. Personne ne dit rien contre lui parce qu'il est le médaillé qui a pris. Qui a emmené ou l'équipe de volley au national, c'est ça? La façon dont Kamoshida était roi dans ce château avait l'air vraiment, vraiment, vraiment réel. Si nous allons retourner dans ce château à nous. Enfin, oublions ça, ça a dû être un rêve, hein? Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est désolé. You know, we might be pretty similar. On est un petit peu pareil, hein. On est un peu des troublemakers, des fouteurs de bordel. Je suis Ryuji Sakamoto. I'll come talk if I see you around. Allez, je viendrai te parler si je te vois, allez. Ne m'ignore pas, ok? A plus. Eh ben, on traduit. On se casse.
Ah, on a fait téléportation. Hey. J'ai un coup de fil intéressant de l'école aujourd'hui. Hein? Au premier jour, t'étais déjà en retard. C'était un accident! Je suis innocent! Ouais, ouais, c'est ce que tout le monde dit. Ah, putain! Faut prendre le sens d'une approbation, hein! Approbation, hein! Si tu fais de la merde, ok. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fermé, je serai là dans une demi-heure. Qu'est-ce que tu regardes, là? Allez, va te coucher. Non, j'ai juste engagé un... Yo. Bon. N'oublie pas de fermer la porte, éteindre les lumières, tout ça. Allez, en vite. Oui, c'est un mi-temps. Allez. Et je pense que... C'est l'heure de la sauvegarde. Et pour ce soir, ça sera le stop. Je reprendrai demain. Je pense que du week-end, je vais doser ce jeu comme pas possible en stream. Donc, merci aux gens qui ont regardé. J'espère que ça vous a plu, que mes traductions, elles ont pas été trop à la chie dedans. J'essaie de retranscrire voilà, au plus rapide hein, quand même pour pas que ça casse le rythme. Voilà, donc si vous voulez suivre les lives, ben, n'hésitez pas à follow la page de Senyu. Woodnaga, il est déjà sorti. Il sort le 4 avril. Mais à la FNAC, il était déjà en rayon. Voilà, donc je l'ai eu à la FNAC. Woodnaga. Et j'ai eu la petite édition qui va bien avec le chaton. Et la boîte. Et le TechUart édition. C'est trop bien, je suis trop hype. Mais oui, en effet. Et du coup, moi, j'ai annulé ma préco. Vu que je l'ai trouvé aujourd'hui et que j'avais trop de hype. Donc je dis voilà, j'espère vous voir demain hein. N'hésitez pas à passer dans la journée. Je pense que ce sera un gros stream. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, ciao.